Bonjour à tous, ici Altru, bienvenue pour l'épisode numéro 10 du Let's Play sur Highfleet. Et oui, 10 déjà. On était à Adra, on avait fait un peu joujou dans l'éditeur de vaisseau, mais bon, rien de bien concluant. On va continuer vers le sud. Juste petite information, voilà, j'avais repris l'épisode et puis sur le chemin là, j'ai crashé. Du coup, j'ai recherché ma sauvegarde et en fait, j'étais là. Donc j'ai dû refaire le combat à Adra et je l'ai refait un peu différemment. Je l'ai refait avec le Lightning pour essayer. C'était pas mal. Voilà, donc j'ai peut-être pas acheté exactement les mêmes équipements et tout, mais bon, globalement, c'est la même chose. Hop, on attend juste la réparation des deux machins, et on y va. Tac, ah oui, donc, parce que du coup, j'ai remis des bombes sur les rooks. Voilà, je les ai rééquipés en bombes, du coup, et on va essayer d'utiliser plutôt le lightning maintenant pour les opérations d'attaque surprise. Sauf quand on veut utiliser les bombes, bien sûr, quand on prendra les rooks avec nous. Voilà, et donc c'est parti, du coup, on y va. Et je me disais du coup, ben, en fait, on pourrait essayer un peu des nouvelles tactiques parce qu'il faut pas tomber dans une routine, il faut pas devenir complaisant. Et du coup, je me disais, ben, tiens, peut-être qu'on pourrait laisser tout le monde aller à Ingurenlil et ensuite on enverrait deux groupes pour aller un à Akkad et un à Nod pour l'Intel et revenir ensuite à Ingurenlil. Et à Ingurenlil ou dans la périphérie, pour pas alerter les habitants, on laisserait le Sévastopol, qui consomme énormément de carburant, dans un coin dans le désert, quoi. En attendant, voilà ce que je me disais. Donc on va essayer de faire ça, voir si jamais ça marche. Ah, un signal radio. Ah, par là-bas. Ok. On va dire comme ça. Alors, Amber, je vais arriver dans approximativement 10 heures à vitesse 120, direction 111 granit. Dommage. Le mot-clé qu'il fallait pas louper, c'était la direction. Parce que du coup, là, ça... il pourrait vers Ingur, il pourrait arriver vers. On sait pas. Est-ce qu'il est à Mitzvah? Est-ce qu'il est à Kua? Bon, ok, bah on va voir. J'ai pas plus d'infos, mais j'imagine que... Attendez, parce que mon radar, il fait 1500. Attendez. Ok, il est forcément à Mitzvah, parce que si t'es à Kua, on aurait déjà le radar qui se serait alerté. Ok, donc tout va bien. Continuons. Hop, et nous voici arrivés à Ingurenlil. Parfait. Donc, supplies. On va faire le plein de carburant, c'est parfait. Hop. Et on va du coup commencer à faire le plein de nouveau en espérant que la zone ne devienne pas dangereuse. Et puis... on va envoyer des gens à Akkad et à côté. Hop. C'est parti. Alors, je pense que là, on peut se permettre de commencer à envoyer des équipes. Pas la peine d'attendre trop longtemps non plus. Donc, je vais envoyer le Lightning et le... Alors, attendez, déjà le Lightning. Mettons qu'il est... Le Lightning, aille. En termes de portée, il va quoi? Il a quoi, le Lightning? La portée change rien parce que je suis en train de refuel, ça bug. Bon, je sais pas. On va l'envoyer en tout cas ici. Du coup, tout seul. Ou alors je l'envoie avec le Skylark. Ouais, comme ça ils font l'aller-retour ensemble. Ou peut-être que. Attendez, peut-être que les rooks auront besoin d'aide. Ok, c'est les rooks qui vont. Ou un seul rook. Ou alors juste le Skylark. Non, mais je peux faire ça aussi. Oui, je peux faire ça aussi. J'envoie le Skylark chercher de l'intel. J'envoie le Lightning faire des combats et chercher un gars à Akkad. Voilà. Et pendant ce temps-là, bah, nous, on chill. On chill à max. C'est parti. Voilà, nickel. Tout le monde est content. Parfait. Ah, ça y est, c'est devenu dangerous. Eh ben, j'ai bien fait de pas attendre. Hein. Putain, ça va vite, hein. Ok, combat, du coup, Lightning contre Courageuse et Courageux. Ok, c'est parti. Alors, vous allez voir que le Lightning, c'est pas la même, hein.
Et comme c'est un interceptor, lui... Alors on blackout par contre un peu parce qu'on va, on a des GeForce absolument monstrueuses, mais voilà, lui au moins... Pardonne pas quoi. Ah, est-ce qu'il les tire? Voilà. Ah mais non mais lui ça rigole zéro. Hein. Il a meilleures armes et il va plus vite. Donc ouais. Je pense que le jeu c'est terminé. Pour les attaques surprise. Hop. Promotion niveau 3. Oh là là. Ok bah répare-toi plus vite. Hein. Ça me va. Oh ça c'est un peu nul ça. Bon bah récupérons du... Ok. Prenons les munitions, puis les survivants, puis les fuel tanks, j'imagine. On va faire ça. Si on peut. Hop. Hop. Et le premier. Voilà. Parfait. T'es arrivé toi? Ah bah lui il est arrivé là. Attendez. Oh et puis il fait le plein tout seul en plus, c'est parfait. Ah oui parce que le plein ça lui remet... Ah ouais ça lui remet... Ah oui d'accord. Ah oui ok, il est arrivé à 100% de carburant lui, ok. Donc tout le reste je peux le vendre ça veut dire. Oh. Ok. Ah pardon, je peux pas encore, j'ai compris. Bon pendant ce temps là, toi Intel, eh ben... Tu peux rentrer, on est d'accord. Ah tu peux pas rentrer, alors attends. On va t'acheter de quoi rentrer. Hop, voilà. Ça coûte combien au passage? Ah oui, il peut aller loin lui. Bah, forcément, c'est un vaisseau de transport de carburant. Ah oui, il peut aller très loin. Ok. Oh, ça coûte quasiment rien. Bah, fais le plein à Nod parce qu'après à Ingur, faut qu'on s'en aille. Donc, fais le plein à Nod. Ça me va. Ok. Et toi, du coup, hop, c'est terminé. Donc, toi, du coup, pareil, vu que t'es à 100%. Oula, 110, et il y a déjà un vaisseau là. 224. Ah mais oui, mais c'est une station de réparation, donc forcément ils sont un peu balèzes là-dessus. Il y a déjà un vaisseau qu'on pourra peut-être... convaincre de nous rejoindre. Qui sait? Ok. Il y a un Tarkan, voilà, c'est ça. On va pouvoir parler avec lui. Oh, il a un porte-avions! Yes! Alors, une chose après l'autre. Réparation déjà, en premier temps. J'ai réparé. Ok. Supplies. On vend l'excédent, voilà. Et maintenant, le Tarkan. Un groupe de gens du vaisseau s'approche de vous. Ils sont tous habillés dans des uniformes militaires, mais ne semblent pas être armés. Omar Khan. Un grand Elaim s'approche en devant du reste. Son visage est ouvert aux éléments et une épée montre le bout de sa garde depuis l'arrière de son dos. Tous les signes d'un homme de noble naissance. Donc là, la question c'est... Un noble de naissance, hein? Mais il vient de Geralt, lui. Donc si je lui parle de Ishu, ça va encore mal se passer. On va faire Glory to Geralt. Il est content. Je suis Omar Khan. Il y a quelque chose que je vais vous donner d'abord. Et on lui donne le petit pot. Parfait. Alors, on aurait pu quand même lui dire que c'est pas notre faute hein, s'il y a de la merde dedans. Hein. Mais bon. Les mains d'Omar se posent avec attention sur le pot. Ses yeux se fichent soudainement dans leurs orbites. Ah. Finalement, il finit par lever les yeux et vous répond. Sa voix est tremblante, imperceptiblement maintenant. Vous sentez qu'il est incroyablement excité. Ah, tout va bien. Tout va bien. Parfait. Ouf. Oh d'accord. Ah oui, 2 étoiles directes. Oh bah c'est parfait. Bon, on cherche des alliés pour faire la guerre à qui va. Est-ce que vous allez nous rejoindre? Vous sentez que Omar s'attend à quelque chose d'autre.
quand il réalise ce que c'est, il répond. Ce serait un honneur. Ok, donc on n'a pas de... On n'a pas tenté de le convaincre. Ok. D'accord. Et on gagne du coup le porte-avions. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Un porte-avions. Eh ben merci beaucoup. Avec du coup deux jets supersoniques. Si j'avais su, j'aurais acheté des avions à côté. Enfin, ceci dit, il faut d'abord qu'on... Il va falloir qu'on fasse des essais hein, pour voir ce que ça donne du coup. Ok, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fighter Bomber, ok. Avec beaucoup de carburant, bien sûr. Et il a des armes, lui aussi. Ouais, mais en vrai, on pourrait virer les armes, non? En vrai, on s'en fout des armes. On va pas... C'est un porte-avions, il est pas là pour combattre, hein. Vas-y, ça dégage. On va jamais faire combattre un porte-avions, ce serait complètement débile. Ok, il reste des armes planquées là, je vois. Nid 8. Et il reste aussi des munitions planquées d'ailleurs. Où sont les armes? Ah mais lui, il a besoin d'un module de munitions. Ah oui, bah ça a du sens, hein. Ça a du sens. Ok. Du coup, je peux au mieux virer que deux. Ouais, mais on va les virer quand même, hein. Ça servira à rien d'avoir des armes sur ce truc. De toute façon. C'est vraiment inutile. C'est vraiment inutile au possible. Voilà. Bon, on gagne pas grand chose, mais... Mais il faut, ça sert à rien de toute façon. Autant enlever ce qu'on peut enlever. Fuel efficient. Beaucoup de thrust, ok. Ok, 150 km/h. Moi ça me va, hein. Combien de thrust ça génère ça par hasard? 21 mn et ça c'est 12 mn. Ok. Ça consomme 4 kg par seconde pour 21 et lui c'est 3 kg par seconde pour 12. Ah bah c'est quand même pas la même là. On pourrait virer un peu de ça aussi hein. Là il va à 110 km/h. C'est peut-être mieux. Alors attendez, parce que du coup j'enquête. On va à combien nous là-haut là ? Avec le Sébastopol, on va à 90, oui donc c'est ça, donc on peut, pas besoin d'aller à plus vite que 90 avec le gros là. On est d'accord. Ok, donc là il a moins d'équipement, il est un peu plus léger, et surtout il consomme moins de carburant. 468. Eh ouais, il consomme beaucoup plus là. On a quand même économisé pas mal de carburant et tout, c'est cool. On laisse comme ça, tu es très bien. Tu es très très bien. Ok. Parfait. Alors, du coup nous il faut qu'on rentre à la maison. Tout de suite hein, logiquement. Ou on attend un petit peu. Non, rentrons tout de suite parce qu'on sait jamais. Lui il est un peu lent. Le temps qu'il rentre. Faut 7h quand même. Hein. Ouais, donc ne traînons pas. Ah mais par contre. Non, attendez, avant de rentrer. Est-ce que. Ouais, attends. Avant de rentrer. Est-ce que toi t'as des supplies, t'as quelque chose? Il faut acheter des bombes pour les. Il faut acheter des bombes pour les vaisseaux, on est d'accord? Ah non. Ah ouais? Aircraft bomb, pourtant, on pourrait croire que c'est pour... Ah ouais? J'achète ça, ça a l'air pas mal du coup. Je vais quand même en acheter, hein.
J'y crois pas une seule seconde que c'est pas nécessaire. Voilà, on va en acheter un petit peu. Je pense que c'est utile. Ok. Et du coup, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. Paf. Pendant ce temps-là, toi, on va attendre que tu refuel. Et dès que tu refuel, hop. C'est rien, c'est l'autre. Ah oui, là, d'accord, le flying range, il sort du truc. Ok, ah, ça fait plaisir. Ok. Donc, toi, maintenant... Tu vas nous faire des recherches sur trade. Ah oui, non mais d'accord. Ah oui, y a rien à côté quoi. Ok. Ah oui, y a rien à côté du tout. Ok. Ok, donc moralité, il va falloir aller par là-bas si on veut faire des thunes. Très bien. Si c'est par ordre de proximité, j'imagine qu'il n'y aura même pas des trucs ici, quoi. Ok, et du coup, on va rencontrer ce type-là, on a validé deux Tarkans d'un coup, enfin deux objectifs d'un coup, donc il n'y en avait bien qu'un seul qui faisait les deux. Et on est passé à côté tout à l'heure, on est quand même un peu bête, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Et ensuite, au nord de Mitzpa, par ici, il y a un Tarkan qui t'attend. Donc en plus, il faut y aller de toute façon. Donc on va passer par là, peut-être un petit crochet par là pour éviter Shaibad, ou alors on passe par Shaibad, on va voir. On va voir comment on s'arrange. En tout cas, on rentre. Hop, c'est parti. Ok, je vois qu'on a acheté du carburant, mais... Ouais, si, ça va servir. Ok, j'ai juste à continuer à faire le plein de carburant et après on se casse d'ici, hop, le plus vite possible. Et voilà, allez hop, on s'en va avant que ça devienne trop dangereux. Et on va aller du coup, ah donc notre portée est... Ouais c'est que le porte-avions il consomme un peu quand même. Pas enfin bon, pas tant que ça non plus, mais il consomme quoi. Ok. J'ai envie de refaire un tour quand même à Shaibad et après à tout ça, ou alors je vais directement à tout ça. Non, un petit tour à... Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille là-bas, qu'on aille se perdre là-bas? Allons directement... Ouais, allons directement là-bas. On va aller en ligne droite quasiment, on va faire ça. Ok, on va faire ça, on va pas perdre de temps. On a de l'info qui est fraîche, maintenant il faut y aller. Allez, c'est parti. Parfait. Très bien. Pour l'instant, tout se passe bien. On a 24 heures devant nous, quand même, de voyage. Donc, autant vous dire que. On a pour un petit moment. Ah ! Un message. On ne sait pas à qui il parle. Going, j'imagine. Ah mais c'est chiffré. Aïe aïe aïe, c'est chiffré. Et la clé a changé alors, c'est plus 05 15 19. 05 15 19 2. Attendez, je note ça au cas où. Et puis je vais en prendre une autre. Je vois qu'on a perdu nos papiers de Cypher Key. Donc ça veut dire qu'on a perdu le chiffrage, ça y est. Hop. Note. Okay. 05 15 9 02. Ok. Donc là, si je remets tout à 0, qu'est-ce qui se passe?
Ah. C'est pas ça. Ok. Donc il nous manque. Ok. On commence à recevoir des messages qu'on peut pas interpréter. Bon. C'est pas grave. On va dire qu'il est là et il va quelque part. J'imagine vers le nord. On s'en fout de toute façon. Qu'il aille celui-là, on est bon. C'est pas grave. Donc ça c'est toujours dangereux, c'est dommage. Allez, on fait le plein, on s'arrête pas. Hop, joup, et on repart. Ok, ça, heureusement ça nous coûte pas très cher. Donc lui c'est pas qu'il faut le réparer, hein, c'est que je lui ai volontairement retiré des bouts. Hein. N'allez pas croire qu'il faut le réparer. Et je pourrais déplacer une antenne pour lui faire comprendre qu'il faut c'est pas qu'il faut le réparer. Attendez. Voilà, regardez, hop. Et voilà. Voilà, là il a compris. Voilà. Hop, il a compris que c'était pas pour la même raison. Va bien pour le moment, malgré qu'on soit en Dangerous. Ah, on est en Dangerous rouge. Ok, donc là définitivement on s'en va, je pense qu'on reviendra plus jamais ici. Et c'est parti pour... Alors, le problème c'est que maintenant, ben, Bethel il y est plus, le gars. Mais du coup, allons peut-être plutôt à... Ici, tentons d'aller d'abord là, et après on ira à Nagar. On va faire comme ça. Hop, c'est parti. Et je sauvegarde bien sûr. Décollage. Alors du coup maintenant la question que j'ai, c'est maintenant que j'ai un porte-avions, est-ce que ça veut dire que lui je peux m'en servir? On a des trucs là. Oui. Et on peut lui équiper des machins. Ah, et on peut envoyer des avions quelque part, on est d'accord. On est d'accord. Voire à des allées simples. Ok. Ah oui. Intéressant. On fera des essais tout à l'heure. Pas maintenant. Tout se passe bien. Un message. Hop, j'allais dire, on va envoyer les strike groups, mais on va attendre encore un petit peu. Ah, c'était bien au départ, hein. Ce que je pensais. Ah, il est loin. Vu la puissance du signal, je pense qu'on peut en déduire que c'est assez loin. C'est aussi une donnée importante, ça. Ouais, mais c'est encore chiffré, du coup on peut dire ce qu'on veut, ça change pas grand chose. Ah, je peux pas mettre de sauvegarde tant que je suis pas près d'une ville, c'est ça? Pas de nom, en tout cas. C'est marrant ça. Ouais, ben voilà. Ah, mais parce qu'il n'y a pas de nom de ville ici. Ok, bah YouTube. Voilà. Ok, et bien c'est parti mon ami intercepteur. Va leur dire bonjour. En pleine journée, comme ça. Le truc c'est que l'intercepteur il va beaucoup plus vite que les autres. Il va à 641 mètres par seconde, kilomètre heure pardon, au lieu des 200 des autres. Donc oui c'est en plein jour mais il va arriver 3 fois plus vite. On verra si jamais ça fait la différence. Attends, la vitesse à laquelle il va quoi, c'est incroyable. C'est un missile le truc.
Ouais, regardez-moi ça. Ils n'auront même pas le temps de voir les choses venir. Par contre, la barre est substantiellement plus grande qu'avant. Donc en fait, je pense que la zone rouge, c'est pas un hasard. Vu qu'en plus elle est proportionnelle quand on zoome, c'est la zone de détection. Donc je pense que depuis le début de la campagne, je m'arrête beaucoup trop, je fais mes virages, mes petites manipulations, mes petits machins, beaucoup trop près en fait de la ville, et du coup je me fais griller. Je pense qu'en fait il faut vraiment que j'envoie à partir du moment où il me demande d'envoyer le truc. Bref. Un détail. Alors c'est parti. On va bien sûr les défoncer immédiatement. Évidemment. C'est quoi ça? C'est des bombes qui seraient pas à m'envoyer? Des roquettes? Oh ouais, oh bah c'est pas grave ça. Je sais gérer. Hein. Ah, dommage. Ok, lui c'est bon. Lui aussi. Et lui c'est bon. Voilà, et le lightning c'est quand même pas la même. Hein. Désolé, j'ai pas parlé pour me concentrer, mais ouf, c'est quand même pas la même. Alors, attention. Parce que là, on a besoin si possible d'aller chez le capitaine. On va arrêter de récupérer des saloperies là. Ah, on n'a pas le capitaine. On n'a pas accès au capitaine. Ok. Oula. Ah oui, non, c'est rien. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par chercher... ça. Déjà, ça m'intéresse. J'ai envie d'essayer cette arme pour voir. Après ça. Voilà, bravo. Ensuite le fuel, pourquoi pas. Les munitions. Et lui, du coup. Hop, et voilà, parfait. Parfait, parfait. Ensuite, on attend que, hop, la Fabi soit avec nous, voilà. Et hop, on descend. On va descendre avec le lightning, vu qu'il est un peu endommagé. Voilà, on va le poser sur un 30. Vous inquiétez pas, le lightning il est complètement ok, même à cette vitesse. Il freine en 2 secondes. Hop là. On a un peu fait mal aux jambes, mais c'est rien. Hop. Parfait. Alors, the blessing, la bénédiction. Alors que vous descendez, les habitants locaux commencent à se rassembler autour de vous. Il y en a tellement que même vos gardes doivent former un cordon de protection autour de vous pour garder le peuple à l'écart. Vous commencez à être habitué à cela. Il y a des cris de joie alors que les Elaine vous accueillent. Béni soyez, les gens les plus près de vous tentent de vous attraper, enfin de vous atteindre avec leurs mains pour vous toucher. The Tanaim, donc oui, le tanin, ok, le bienfaiseur, le bénédiction, c'est ce que les locaux semblent vous appeler ici. Donc en gros, ils pensent qu'en vous touchant, ils vont être bénis. Laissons-les les toucher, ça te fera remonter un peu la gentillesse. Ah, ça fait monter la foi, d'accord, ah oui, ok. Très bien. Vous approchez de la ligne de troupes qui vous sépare de la foule et vous vous tenez aussi proche que possible de sorte que les locaux puissent vous toucher. Les gens commencent à se secouer, à pousser et il ne faut qu'un instant avant qu'ils brisent la ligne et la marée humaine vous submerge rapidement. Les officiers
parviennent à peine à repousser la foule et à restaurer la ligne. Le capitaine de la garde est livide. Il ne peut à peine restreindre sa rage alors qu'il vous parle, avec tout le respect qu'il vous doit, de ne plus jamais faire ça. Ok. Ok. Désolé. Pardon. C'est vrai que c'était peut-être un peu... C'est vrai que c'était... Oui. Non mais je reconnais là, je reconnais maintenant qu'on y... maintenant que j'attends d'y réfléchir qu'effectivement... Bon. C'était pas particulièrement très avisé, je suis d'accord. Ouais, mais là ça nous coûte... ouais. Ça nous coûte très très cher là. On va prendre un peu de carburant mais pas trop. Il n'y a pas de fuel storage à proximité donc il va falloir qu'on la joue maline. Peut-être aller à Karama et ensuite à là. Et après revenir comme ça. Peut-être. Hein. Peut-être tac 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 tac. Tac tac peut-être. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option. En tout cas, on est bien arrivé. Ah, j'ai quand même pas regardé l'équipement rare qu'il pouvait avoir. Parce que c'est quand même un marchand rare ici. On a des tactical attack, missile, machin. On a des trucs sympathiques, mais bon. Les avions, on pourrait acheter des avions pour faire... Mais tant que je sais pas comment, à quel point c'est fort ou pas, je vais peut-être pas me jeter dessus pour le moment. Par contre, je vais prendre un AK-100 parce que c'est celui du Lightning. Et en vrai, j'aimerais bien en mettre un troisième d'AK-100. Est-ce qu'on pourrait en mettre un troisième? Est-ce qu'on risquerait pas d'être trop lourd, trop lent, trop machin? Ah, quoique, on pourrait tenter, hein. J'ai envie d'essayer. Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer. Alors, prenons un AK-100 supplémentaire. Pour le moment, on va le mettre là. Bon. Les antennes là, c'est bien mignon, mais on va vous dégager un peu. Voilà. Les trucs d'évacuation, bah de toute façon lui il va en solo quand il attaque. Donc s'il faut évacuer, on sauvera pas les gens. Donc hop, ça dégage. Désolé les gens. Voilà. Trucs d'extinction d'incendie, on va les mettre du coup là-dedans. Voilà. Ainsi, on fait de la place pour... Eh bien notre arme j'imagine. Non, pour le l'odeur de munitions déjà pour commencer. Hop. Ainsi que du coup le fameux AK-100 qui est juste là. Ah, et qui aura besoin d'un peu plus de... Bien sûr. Hop. C'est bon niveau vitesse, on est encore bon, ouais. Je sens que ça va baisser assez vite. Ah, je peux pas le mettre comme ça. Alors attendez. On change de plan. On change de plan. On te met toi là. Et là, on se met un 4. Comme ça. Voilà. Et là, du coup, lui, je le mets là. Si je comprends bien comment ça marche, hein, parce que c'est pas dit. Hein. Et toi, je te mets là. Voilà, j'ai compris comment ça marchait, super. Et il peut tirer partout, et toi aussi, tout le monde est content. Super, par contre... Ah, on n'a pas assez d'équipage maintenant. Il faut de l'équipage pour repérer tous ces trucs, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Attendez, j'arrive. Ok, et là on a assez d'équipage et on a même assez de puissance. Ok, donc en fait tout rentre. Bah, c'est parfait, j'ai même pas besoin de rajouter un réacteur. Donc on a un lightning d'attaque, il va encore suffisamment rapidement, hein, on est honnête, ça suffira largement. Ok, et bah c'est parfait. Lightning V2. Excellent. Ok, et ben voilà, donc cela conclut notre épisode numéro 10 déjà. Merci d'avoir regardé et je vous dis bien sûr à la prochaine. On ira sans doute vers Karaman, puis Masada, et ensuite
Richt et Nagar, je pense. Hein. Sauf si entre-temps, on peut choper un ou deux transports, bien sûr. On se fera plaisir, puisqu'à Karaman, il y a une station Intel, donc peut-être qu'on pourra faire des petites dingueries. Peut-être même qu'on pourrait faire plusieurs choses en même temps. Genre, par exemple, envoyer le gros Sévastopol à Masada, et puis les autres ailleurs, etc. On va voir comment on fait quand on sera à Karaman. Merci d'avoir regardé, et je vous dis donc à la prochaine.